Bonjour Jean-Claude, merci avant tout de m'accueillir sur votre plateau et un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, en effet, c'est vrai Jean-Claude qu'on s'y attendait un peu, on entendait un peu tous les cas qu'il y avait chaque jour et je pense que c'était assez normal de voir le prolongement de ce confinement, mais on est un petit peu habitué maintenant, après avoir déjà vécu 3 mois de confinement, on a pris un peu le pli. On sait comment s'organiser et je dois dire que personnellement, ça se passe très bien. Bon, c'est un titre qui est venu naturellement. Quand j'ai composé ce chant, ça a commencé par les paroles « I worship you ». Et c'était un moment où je prenais ma guitare, je louais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Et donc, c'est les premières paroles qui sont venues à mon cœur. Et j'ai donc retenu ces paroles pour le titre de ce clip. Bon, c'est pas toujours évident de tourner, il faut refaire, faire et refaire, mais surtout là, je voulais vraiment profiter de ce clip qui va être vu par les gens du monde entier pour promouvoir la beauté de l'île Maurice. Donc, même si ça a été quelques petites répétitions, ça a valu la peine. Bah très bien, c'était sympathique, une bonne équipe qui a fait le tournage avec nous, l'équipe avec laquelle je suis habituée de travailler. Donc c'est toujours agréable et c'est toujours des moments sympathiques. Bah c'est tombé comme ça. Ça a pris un peu de temps. On a fait le film, le tournage il y a au moins 2 mois. Mais le temps de faire des corrections, de finaliser, de peaufiner le clip, ça a pris le temps que ça a pris. Et maintenant que c'est prêt, donc on a trouvé que c'était un bon moment opportun pour sortir ce clip, surtout en ce moment de confinement où les familles sont réunies. Je pense que ça tombe à un bon moment finalement. C'était pas prévu, mais ça tombe à un bon moment. Bon, écoute, le chant s'adresse à tout le monde, pas une couche particulière de la société, mais je pense, Jean-Claude, que le moment est venu, surtout en ce moment de confinement, pour que les Mauriciens en général se remettent en question. On s'est tellement donné à vivre une vie engagée dans le business, en trouvant de manière professionnelle, que pour beaucoup de Mauriciens, je pense, qu'on a mis le Seigneur, qu'on a mis Dieu en dehors de notre vie. Mais c'est bon que ce chant puisse les rappeler que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde, il est un grand Dieu et qu'il a eu un plan extraordinaire pour nous sauver et que c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier et c'est un bon moment pour retourner vers le Seigneur et se rapprocher du Seigneur, surtout en ce moment de confinement où ce n'est pas évident pour beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre en famille, que le confinement nous permet de vivre et ça c'est le point, je dirais, positif du confinement. Mais écoute, pourquoi pas, j'ai écrit beaucoup de chants. J'ai déjà sorti 6 albums et pourquoi pas ne pas profiter de répandre ces chants de louanges, de cantiques de louanges au Seigneur et en même temps, comme je disais, profiter de l'occasion pour montrer au monde entier la beauté de notre pays. Donc aujourd'hui, c'est le teaser que nous allons écouter. Aujourd'hui, voir, c'est le teaser. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que le clip lui-même va passer en première ce dimanche 4 avril sur la chaîne YouTube ECOI et je vous encourage à vous enregistrer sur cette chaîne afin de recevoir la notification et de profiter de ce joli clip et surtout aussi de la beauté de notre île Maurice. Merci à tous de m'avoir écouté et merci beaucoup Jean-Claude pour l'occasion que vous m'avez donnée.